Hello! Hello à tous! J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur Pokémon Tower Défense. C'est un jeu qui date, hein. C'est un jeu qui date pas mal. Et du coup, je me suis dit, let's go. Ça fera un petit jeu tranquillou. Je vous le dis déjà, hein, mais l'histoire, on s'en fout, parce que c'est full, il est full en anglais. Nous, ce qui nous intéressera, c'est surtout le jeu. Ah oui, si, j'ai vu qu'il était aussi disponible sur Android. Voilà, si jamais ça en intéresse certains d'entre vous. Allez, on est parti. Hop, what's your name? Bon, ça va, hein. Y a pas besoin d'être bilingue pour savoir ce que ça veut dire. Hello, I am the Professor Samuel Hawke. And this is my lab. Voilà, hein, comme dans chacune des aventures, il faut qu'on choisisse notre Pokémon de départ. Et je serais tenté de partir sur Salamèche. Forcément, comme énormément de personnes. Eh ben, vous savez quoi? On va prendre Bulbizarre. Allez, let's go. On prend Bulbizarre pour notre premier Pokémon. Faut que ça change un peu. Voilà, il faut du changement. Alors, en gros, parce que je me souviens un tout petit peu de l'histoire, la Team Rocket, avec leur Pokémon Psy, hypnotise les Pokémon sauvages et les Pokémon des dresseurs pour voler des super bonbons, et nous, on doit faire en sorte que ils les attrapent pas, il faut empêcher ça. De retour au labo. Ah, alors, quelle version on choisit? Ah, vous savez quoi, j'ai fait rouge-feu sur la chaîne, on va prendre bleu cette fois-ci. Et du coup, chapitre 1. Le labo du professeur Shen. Alors, le système, il est assez simple. Il suffit de drag and drop les Pokémon dans chacune des cases, qui correspond aux 6 Pokémon qu'on peut avoir sur nous. Et puis vous l'avez compris, dans toute la zone bleue, il y aura les Pokémon qu'on va attraper. Et forcément, notre Bulbizarre va attaquer les Pokémon ennemis. Et quand il y aura des Pokémon dans le rouge, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourra les capturer avec la grosse Pokéball que vous voyez en bas à droite. On met Bulbizarre ici, et ouais, ok, c'est ça. Voilà, avec un clic droit, on peut choisir l'attaque. Et let's go. Ah ouais, par contre, si tu me les mets pas dans rouge, puis que tu me les butes comme ça direct... Ah ouais, non. Ah, c'est bon. Allez, hop, un Rattata. Hop, on va le mettre ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que Rattata va porter le premier coup. Et Bulbizarre, voilà, va porter le coup final, ce qui fait qu'on va pouvoir level up nos Pokémon. Ah, et voilà, donc j'ai pas assez d'argent, il en faut 30, on en a que 23, donc on ne peut pas le monter de niveau. On a perdu, allez, voilà, c'est la Team Rocket, hein. Donc voilà, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un petit dresseur qui se promène avec son petit Roucool, et ils vont l'hypnotiser. Comme ça, le dresseur donnera ordre à ses Pokémon de récupérer les super bonbons. Et j'irai pas plus loin dans l'histoire parce que je m'en fous, en fait. Hop, voilà, on va diminuer un peu le zoom, comme ça on peut mieux voir ce qu'on fait. Et de mémoire, ouais, le jeu, il est pas facile. J'ai souvenir que par moment, il est assez complexe. Hop, non, il a mis KO le Roucool. Non, malheureusement non. Et du coup, on a la route 2 qui se débloque. Donc voilà, à chaque fois qu'on réussit une étape, eh bien, on a la suivante qui est débloquée. Alors, on a nos super bonbons qui sont tout à droite. Et nous, du coup, il va falloir qu'on empêche tout le monde. Ah, on peut capturer un chenipan ce coup-ci. Ouais. Et chenipan. Faut qu'on attrape un Roucool. Oui, on a un Roucool, parfait. Et on va le mettre ici. Ok, tacle. Tacle, parfait. Ouais, je vais laisser vive attaque. Bulbizarre, on va le monter de niveau. Hop, level up. Je pourrais capturer un maximum de Rattata et de Roucool, mais ça m'intéresse absolument pas. Parce que sinon, on se fait une armée de Rattata ou une armée de chenipans dans les niveaux, mais c'est pas intéressant. Ok, Viridian Forest. Ah, je crois que je m'en souviens de celui-là. Alors, ici, hop. On va en mettre deux là, et je crois qu'il y en a qui vont arriver. En fait, c'est par vague. Ah, par contre, il y a les chrysaciers, j'avais pas vu. Je vais pas m'embêter, hein. Hop. On va ramener tout le monde comme ça, d'une vague à l'autre. Je voulais faire 2-2. Mais, non. Voilà, maintenant, hop, direction de l'autre côté. Bulby, tu viens là. Roucool. Est-ce que 3 ça va être suffisant? Je sais pas. J'appelle. Voilà. Voilà, on va tout ramener. Hop, level up. J'aimerais bien que Roucool il apprenne Tornade.
Là, ça serait franchement pas mal sur des Pokémon insectes. Ah, et l'évolution. J'avais pas vu qu'il était niveau 7. Parfait. Ça commence. Armure, mais on s'en fout. Ah, on va perdre. C'est perdu. C'est perdu. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Hop, niveau 9. Ah, yes. Ah, puis avec la sécrétion qui les ralentit, c'est juste parfait. Vine Wipe... Fouillian. Ouais, je cherchais le nom. Oh là là. Ah ouais, mais là, les Pikachu... les Pikachu, c'est pas possible. Ça va beaucoup trop vite. Et on n'était pas loin. On va s'amuser à switch juste Crisacier pour qu'il mette sa sécrétion, que ça ralentisse tout le monde. Yes. Niveau 10, il évolue. Parfait. Est-ce que tu apprends Choc Mental? À partir de là, ça va danser. Ok, là, ça arrive des deux côtés en même temps. Hop, niveau 11. Oh, les Pikachu. Oui, ok, c'est bon. Oui. Eh ben voilà, nickel. Et on arrive à l'arène de pierre. Du coup, on va faire ça, on va mettre Fouillian, parce que Rattata et Rukul, ils vont pas faire énormément de dégâts. Ok, pour l'instant, ça passe, mais c'est surtout par rapport au Onyx que je me méfie. Ah, pas mal! Et on lui met l'attaque morsure. Qu'est-ce qu'on a après? Toujours des racailloux. Et là, je peux pas les capturer, ceux-là. Ils ont la barre bleue, donc on ne peut pas les capturer. Onyx, c'est ton tour. Ah oui, je m'en souviens. Oh là là, je m'en souviens de ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Ouais, parce que du coup, en fait, il faisait un tremblement, une avalanche. Et si j'avais pas enlevé les Pokémon... C'était du one-shot, et je m'en souviens parce que... Alors, déjà, on va faire une petite sauvegarde. Je m'en souviens parce que j'ai tellement galéré à l'époque dessus... Ah oui, petite parenthèse, Mystery Gift, vous avez une fois par jour et une fois par semaine un petit Pokémon que vous pouvez amener dans votre équipe. You got a shiny, oh! Ah bah attendez, bougez pas, on va essayer de voir ça. Pokémon Center, ok. Ah, et ça m'ouvre une page internet. Oh, bien! Ah, je suis content. Et voilà, un petit art shiny! Bon, il est niveau 1, hein. Donc va falloir qu'il pexe un peu, là, le petit, hein. C'est complètement aléatoire, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça. C'est cool, ça nous fait un Pokémon aquatique. Ok, et là, on est sur une route où c'est que pour lever... Oh, il y a Ferro-Singe. Déjà, Nidoran. Allez, on prend Nidoran. Ferro-Singe. Oui. Hop, petit level up. Double kick. Oh, bien. Est-ce que t'as capturé quelque chose de cool? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Est-ce que... Ah bah non, on n'a pas assez d'argent. On a que 10. Ah ouais, on peut pas. Il faut 1000 pour rapprendre une attaque ou pour lui apprendre une CTCS. 792 de cooldown. Il prendra jamais d'XP. Ensuite... Pika Nobody. Pika Pika. Redigo, ok. Alors, ça part d'où? Ça part de là. Hop. Et hop. Ensuite, tac. On va changer, on va mettre charge. Ensuite, Rattata. Là. Et on va mettre Nidoran. Ah ouais, par contre, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué, là. Vous voyez les petites phases de leveling là qu'on a eues juste avant? Et ben, il va falloir en faire plusieurs avant de passer à l'étape suivante. Vous savez quoi? On va faire un truc un peu différent, c'est-à-dire que je vais tous les mettre ici cette fois-ci. Tant pis pour l'autre côté. Tant pis pour l'autre côté, c'est pas grave. Là, mon but, c'est juste d'en mettre KO un maximum pour récolter de l'argent. Il faut qu'on récupère de l'argent, donc il faut être sûr de les vaincre. Alors, je suis très content d'avoir eu petit art, mais j'aurais aimé un Pokémon Feu. Ça aurait été cool, un Pokémon Feu. Bon, je pense que ça sert à rien qu'on passe au-dessus. On peut essayer. Alors, faut protéger les racailloux, c'est ça? Ok. On va mettre ça ici.
toi, hop. Ensuite, on va mettre Roucoule avec charge, parce que bon, tornade, ça fera que dalle. On va mettre Ratata ici, on va mettre Ferrosinge là, et Nidoran en premier, avec double kick. Et Ferrosinge, il a quoi? Ah bah low kick, bah parfait, voilà, une attaque combat. Hop, on va d'abord monter ceux qui sont un peu plus faibles. Je vais pas augmenter le niveau Papillusion tout de suite, il est niveau 12. Je voudrais que Ferrosinge prenne un peu plus d'XP, parce que là, ça coûte combien? 65, et on est à 83, ouais non. Ça veut dire qu'on a réussi. Ça me va. Alors, est-ce qu'on va y arriver pour le prochain stade? La Team Rocket encore et toujours. Qui je pourrais mettre en haut? Un psy, un combat. Oh, y'a Mélofée! Y'a Mélofée! Ouais! Mélofée! Hop, niveau 14. Perdu! Bon, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour level up. Ouais, c'est pas ouf, hein. Oh, y a des Pikachu. Yes. Un Pokémon électrique. Ça, c'est bon. Bon, je vais mettre tout le monde ici, comme on a fait tout à l'heure. Puis il faut juste qu'il bute tout le monde un maximum. Il nous faut de l'argent. Il faut qu'on level up. Ok. Du coup, on va virer Nidoran. On va mettre Pikachu. Pikachu qui a... Oh. Et ça va servir à rien ici, Thundershock. Ah si, sur les Nosferapti. Hop. T'apprends Tornade. Ouais, c'est une attaque vol, donc on ne dit pas non. Et boum, l'évolution. Parfait. Parfait, parfait. Hop, niveau 19 pour Papillusion. Il nous en reste deux dans le fond. Oulala. Niveau 17. Ah, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Ça renvoie les Pokémon. Il lui fait faire un demi-tour. Voilà, et ça c'est plutôt cool. Ok, ok, ok. Non, non. Il en reste un. Il en reste un. Et ben voilà. Et du coup, on arrive à l'arène de Azurea. Alors, Joey qui veut battre Ondine. Ah, oh, le Staros. Ah, il lui a mis une raclée. Ok, on a des super bonbons en plein milieu. Ouh. Ouais, mais ça va trop vite. Ça va trop vite, j'ai même pas le temps. Voilà, comme ça, Roucoule, il peut les renvoyer. Oh, il y a des Magikarp. Oh. Pour un petit Léviator, ça peut être pas mal. Par contre, ça va pas du tout, il nous reste plus deux super bonbons. You can't beat Water Pokémon. Ben ouais, je m'attendais pas à ça, hein. On va retourner dans la forêt. C'est bon, ils reviennent en arrière. Pas tous, mais un peu. C'est déjà pas mal. Oh, un Pokémon obscur. Oh. Ah, je suis content. Ok. Ah, je savais pas du tout qu'il y avait ce genre de Pokémon. Et donc en fait, il faut refaire les zones plusieurs fois. Tout à l'heure, on a vu un Goopix. Là, il y a un Pokémon obscur. Ah, il faut les refaire, hein. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est juste qu'il est obscur, il n'y a rien de plus, il n'y a pas une attaque. Non, a priori non. Non, bah c'est pas grave. Pas grave, on va le laisser au PC. Puis on va continuer notre leveling. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Putain. C'est pas vrai! Il se fait one-shot, le Goopix. Oh, je suis dégoûté. Il y en a un autre. 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 Oh! Oh! Oui! Yes! Goopix. On a un Pokémon feu. C'est pas mal du tout. On a combien d'argent? 12 000. Ah! Ben ça y est! Dive, c'est plonger. Ouais, c'est ça, il plonge et... Remarque, je serais tenté de lui apprendre Laser Glace. Non, il faut lui apprendre une attaque haut en premier. Et on n'a plus d'argent.
Bah, au moins, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir le level up. Et on a un Goopix à placer aussi. On réduit niveau 1. Hop, niveau 12. Niveau... Ah oui, toi, par contre, il faut que tu ailles en dernier. Toi, au-dessus. Ici. Et Pikachu. Allez, c'est parti. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. On y va, let's go. Niveau 5. Bubble. Et après, il faudra que je vois... je crois que c'est avec le sang de Pokémon, là, comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir l'œuf, pour acheter une pierre feu. Je sais plus trop. Est-ce qu'on retente l'arène d'Azuria? Bon, avec Goopix, ça sert strictement à rien. Ah, attendez. Roar. Roar, c'est... Voilà, j'ai eu un doute. Roar, c'est comme Whirling. Ça fait faire demi-tour au Pokémon. Donc on va peut-être garder Goopix au final. On va essayer comme ça, on va voir. Donc hop, toi ici, toi là avec Roar. Voilà, nickel. Ah, j'avais oublié qu'il y avait toi. J'ai oublié qu'il y avait toi. Mais du coup, non, c'est pas toi que je veux. C'est lui. Ok, c'est pas mal. Au pire, vous savez quoi? Dès qu'il y en a un qui s'approche, si je peux le capturer, je le capture. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Ouh là là, là ça se... Ça devient compliqué là. Ah ouais, oh, les pois sirènes ils sont tellement résistants. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Alors attendez, on va regarder ça. Pokémart. Ah, d'accord. Ok, on les achète directement ici. Oh, j'ai carrément pas assez d'argent. 10 000. Ah, oh, j'en reviens pas. Et du coup... Ouais, on est qu'au chapitre 2, hein. Ouh. On va y passer du temps. On va repartir sur Viridian Forest. Et puis là, le but, c'est vraiment de mettre KO tout le monde pour se faire un max de thunes. Parce qu'il va nous falloir deux pierres. Une pour Goopix, une pour Pikachu. Et plus tard, une pour Petitard. Enfin, Tétarte. Oh. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je mette ma cam de l'autre côté. Voilà, comme ça, au moins, vous verrez et l'argent, et les Pokémon. Et on a déjà nos 30 vagues qui viennent de passer. Bon, bref, nous... Eh ben, on va s'arrêter là, quand même. Du coup, bah, surveillez hein, les notifications. Et puis, voilà, rejoignez le Discord, oubliez pas. Comme ça, vous aurez les notifs bah, des vidéos, déjà, d'une part, et puis des lives. Voilà. Allez, à bientôt.